Ajoute-moi, Youssef, je t'invite. Je sais même pas c'est quoi cette chaîne à la télé, là. Chaîne 2. Solo, tu demandes, arrête, tu tailles. Abdul, c'est comment mon gars? Oh, je regarde un peu là qui demande. Solo, tu rentres dans le truc ou pas? Il est là le beau gosse. Ça va me buter ou quoi? C'est comment? On est là avec toi. On est là, on va inviter des gens là petit à petit. J'ai vu le live là. Tout à l'heure. Bien ou quoi? De ouf. C'est quoi que t'as aimé? Abdul, tu le connais lui ou pas? Ouh voilà. Non voilà, t'as. Parce que les gens, ils faisaient trop de questions, tu vois. Ah, on parlait sincère, frère, tu connais authentique, hein. On ment pas, frère. Voilà. Mais moi, il y a des gens, ils m'ont dit il y avait le live. Ils m'ont dit, demande à Riyad des trucs aussi. Qui? Des gars, moi. Disquette. Vas-y, toutes les questions sont les bienvenues ce soir. Dis-moi, là, mon pote. Par exemple, est-ce que toi, tu penses, parce que dans les quartiers et tout, genre, il y a trop de gens, ouais. Il y a trop de fac, tout ça et tout. Est-ce que tu penses, dans le foot, il y a trop d'injustice par rapport à ça? Ou tu penses, genre... Trop de quoi? Est-ce que tu penses qu'il y a trop d'injustice dans le foot? Ou si tu penses que c'est genre tout le monde a sa chance, un jour ou l'autre, pour percer. Frère, moi je te dis la vérité. Hein. Les gens qui me connaissent, ils savent mon point de vue sur ça. Si t'es fort, tu perces, frère. Il n'y a pas de secret, il faut un peu de chance, c'est ton mektoub aussi, on va pas se mentir. Mais si t'es fort, tu perces, frère. Si t'as pas percé, c'est qu'il te manquait quelque chose. C'est simple. Il y en a plein qui disent ouais, ils sont forts au quartier, c'est vrai, il y en a plein. Ceux qui tentent pas, c'est de leur faute, ils sont pas tentés. Mais ceux qui tentent et ils sont pas pris plein de fois, c'est que frère, il leur manque quelque chose. Hein. Il est ouais, frère, c'est ça. Hein. Ouais, t'en penses quoi, toi? Moi, je pense aussi pareil, hein. Mais bon, tu connais quand tu joues contre des mecs au quartier là. Tout à l'heure, on a joué au foot, tout le monde veut, tu vois. C'est tous des cracks quand tu les entends parler. Après, tu connais, derrière la télé, tout le monde peut jouer aussi. Quand tu les mets sur le terrain, ils peuvent pas. J'avoue, quand tu regardes sur le terrain, c'est pas pareil, c'est pas la même intensité. Bah, ouais, mec. Tu vas mettre qui après hein? Ah, je vais mettre des autres là. Je te rappelle après, mon pote. Vas-y. Vas-y. Voilà, comment on a pose des questions sur.
Mais Sloub, il est même pas là, Walid, wesh. Quel Walid tu dis en plus? Walid, rentre dans le live, mec. C'est comment, mon gars? D'accord. Ça dit quoi? Mais pourquoi t'es fou? Montre-moi le frère, s'il te plaît, aussi. Il peut venir? Yassine. Yassine, viens, wesh! Yassine, je veux dire bonjour. Viens voir, Yassine, je veux dire bonjour. Il est là, le beau gosse! Brahimi, viens, wesh! Les Algériens veulent te voir! The Algerian people wants to see you, bro. Il a des trucs à faire, il a des trucs à faire. Vas-y, laisse tomber. Lui. Ça va ou quoi, Walid? Et t'as vu, y'a qui Pikita, Pikita. Il est là, Hélène. Pikita. Hey, Hélène, Pikita. Il est fou, frère, voilà. Assieds-toi. Salam alaikum, frère. Yassine Brahimi. Alaikum salam. Quel joueur. Assieds-toi, on va parler football, mon gars. Arrête, arrête, frère, arrête, arrête. Ouais, c'était sérieux, Yassine. Regarde, t'as fait ton live déjà, là? Ouais. On a raté, Walid. Là, on l'a raté. Diwana. Ça s'est bien passé? Ouais. C'était bien. C'était bien, il y voilà. Avait combien? Il y avait 1 million de personnes? Non, 2 millions. Il y avait beaucoup de questions ou pas? Ouais, de fou, ça a duré 1 heure et quelques, wesh. Plus sur l'Algérie ou plus sur City? Non, plus sur l'Algérie. Brahimi, wesh, les gens, ça commente, hein. Il est là, le... il est sait, là, le boss. Il sait pas, t'es en direct. Bien sûr, il sait, wesh. Il croit, c'est fait. Il était content, Smile ou quoi? Grave, il avait fait tout. Je crois, c'est fast time. Ça fout quoi, là? Il est quelle heure, là-bas? 2 heures. Il y a 2 heures de plus que chez vous, non? Ouais, ça coupe, ça le fragile, là, quelle heure? Là, si on est en mode imam, là. C'est le moment imam, là. 3h30. C'est le moment rappel. Ouais, Brahimi, le ramadan, t'as fini. Il y a un mec qui a dit, Brahimi, le ramadan, t'as fini. Pourquoi? Ouais, je sais pas pourquoi. Walid, il croit en avance ou quoi? Non, en gros, il veut dire il a maigri, genre. Non, machallah, il a affûté, wesh. Sérieux? Bon, on essaie de garder la ligne. Ouais, c'est important. C'est Yanis. Derrière. Basket, hein. Solo, il a dit c'est Yanis derrière. Ouais. Ouais. Il voit tout, lui. C'est notre cuistot. Mais il veut pas venir, je l'invite, il veut pas venir. Eh, hey, grosse dédicace à Solo. Eh, bonne. Allez, suivre. Je bonne Paris, c'est important. Vas-y, c'est très important. C'est tout pourri. Oh, ah, je rigole, je rigole, je rigole. Solo, je rigole, la famille. J'attends mon survêt. Ah, il va pas te le donner maintenant. Si, il va me le donner, t'inquiète. Wesh. Wes Majer. Il y a un mec qui a dit Wes Majer. Ouais, Billy. He's in the kitchen. Eh, hey, arrête, ça fait combien de temps t'es en live, là? Je peux te poser des questions, Yacine? Tu veux me poser quoi comme question? Sur le foot. Bah, si toi Yacine, depuis tard, t'es debout, on dirait. Déjà qu'il est pas grand. Regarde, déjà qu'il est pas grand. Mais parce qu'on mange dans pas longtemps. Comment tu t'occupes de tes journées un peu avec le corona, tout ça, là, comme il n'y a pas d'entraînement et tout? Non, franchement, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Allô, Porto. J'avais fait l'armée, il a dit allô, Porto. Hey, Jamel Belrami, j'ai une vidéo sur lui, c'est un tueur. Jamel, ouais, non, sérieux, comment tu t'occupes de tes journées? Tu fais quoi de tes journées? Aïssa, il est là, mais il fait trop exprès. Tu vois, non, franchement, Aïssa... mes journées, la vérité, les journées, franchement, elles passent très très vite ici. Hein, parce que on mange à 18h. Ça veut dire tu te lèves vers 10-11h. Bref, après, ouais, il y a des enfants, triche, après, ou les occuper. Mais bon, franchement, alhamdoulilah, au moins, on peut se balader un petit peu, t'as vu, que ce soit dans le jardin ou que ce soit. Un petit peu, genre, tu sais, dans le complexe, tu vois, donc ça va. Et tu t'entraînes? Les journées, elles passent vite.
Ouais, bah oui, il faut. On fait des tennis ballon. On fait des tennis ballon. Ouais, parfois, avec Walid, on fait des tennis ballon. Non, jardin, mais toi, je sais que tu t'entraînes beaucoup. Tu t'entraînes beaucoup tout seul, toi. Non, normal. Non, normalement, j'aime bien garder la forme. Il est soudain. C'est un bosseur. C'est un bosseur. C'est un bosseur. Voilà, c'est un bosseur. De fou, wesh. Wesh. En il bosse. En décision, des fois, je suis posé dans la chambre. Il me dit, vas-y, moi, je vais en muscu. Voilà, il aime trop ça. En plus, il me motive. Il me dit, viens. Je suis en train de regarder un film. Il me dit, viens travailler. Ouais, parce que j'ai vu, t'avais pris des bras un peu, Walid, toi. Ouais, t'as vu, je suis devenu balèze. Eh, voilà que Walid, machallah. Riyad. Blague à part. Voilà qu'il a pris de ouf. Ça va? Voilà, il a pris. Je t'enverrai un snap tout à l'heure, torse nu. Il avait pris quelques kilos. Mais tu sais quand on était ensemble avec Walid, tous les jours, il faisait de la muscu. Il mettait ses gants style de Rocky. Tu vois, les gants. Même ici, il met ses gants. Les gants coupés, là, style je vais pousser de la fonte. Il n'y avait pas un muscle qui brillait. Pas un. Rien. Ouais, et toi? Moi, je ne poussais pas. Non, mais Riyad, blague à part. Il y en a qui ont besoin de faire. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de faire. Toi, t'as pas besoin de faire. Toi aussi, t'as pas besoin. Si non, tu mais veux... si, mais toi, c'est différent. Non, mais voilà que frère. Non, il y a un minimum à faire. Machallah, la motivation, frère. Les gens, ils ne savent pas comment ça bosse. Ils ne connaissent pas la face cachée. Ouais, Yacine, c'est un vrai bosseur, machallah. Non, voilà, c'est vrai, Yacine. Il est... Et voilà, j'en peux plus. Mais ma mère, t'as appelé Walid, mais est-ce que tu sais qu'il va que rigoler? Mais le but, c'est de rigoler, non? Deux. Tu veux poser des questions sérieuses ou tu veux rigoler? Non, je te pose des questions sérieuses, là, on parle sérieux. Il y a des gens, ils regardent, frère, il y a 26 000 personnes qui regardent. 26 000 personnes? Ouais. Non, machin, non. Ils attendent Fajr. On va attendre avec eux. Et toi, tu fais quoi, regarde, pendant tes journées? Moi, tu connais, j'attends le Fajr, je prie, je dors jusqu'à 14h. Je me lève, je vois ce qu'il va faire, je vais acheter des trucs à manger, tout ça. Après, je cours, je joue un peu au foot. Je fais des slalom, frappe, ouh, jonglerie. Dans mon jardin, mec. Ah, à la maison. Ouais. Et tu mets un goal ou quoi? Non, j'ai pas besoin de goal. Ah, il est là. Il organise des talawah sauvages avec Ben. Et vous avez des news un petit peu là sur comment ça va se passer là dans les jours à venir ou pas? Non, même pas. On attend là pour l'instant. Rien. Ouais. Ben, je suis chez moi, mec. Ben aussi, hein, ça bosse. Je vois tes snaps, Ben. Tes Instagram, ça bosse de fou. Machallah, frère. Ben, il a changé, il donne plus de nouvelles. Mais Ben, comment il bosse maintenant? C'est grave. Il est sérieux. C'est bien. Il fait grave des exercices, tout ça. Ça va être une année importante. Ah, frère. Vous, ça reprend quand, là, Yacine? Non, c'est pas encore. Là, normalement, on devrait reprendre. Hein. Yacine, normalement, les champions. C'est les choix de vie. Eh, tu sais, je disais quoi dans le live? Dommage, t'as pas vu. C'est parce qu'on parlait, Karl Medjani, il commentait. Après, j'ai dit à Karl, Karl l'a dit, dis-leur quand t'es venu me voir à Monaco, sur le terrain, je parlais avec Walid. Tu te rappelles quand il parlait avec toi sur le terrain avant le match, je suis venu. Wallah, je m'en rappelle. Je suis venu, j'ai dit ouais, ça se passe en Algérie, toi. Il m'a dit ouais. Après, j'ai dit vas-y, j'arrive bientôt là, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah, mais il devait se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui là? C'est un ouf. Qu'est-ce qu'il raconte ce tout petit maigrichon là? Non, mais la meilleure, c'est pas celle-là, la meilleure. Mais dis-lui que t'as. Ouais, c'est ce qu'il disait. Mehdi Lassène, un jour, il lui dit quoi, Mehdi Lassène?
Mais dit Lassen, Jamel Mesbad, il lui dit, tu sais, pour rigoler. Eh, hey, mais frérot, mais en fait, toi, tu veux aller où en fait? En fait, tu veux faire quoi? Il dit, hey, frère, un jour, je vais jouer dans un bête de club. Et il dit, ah ouais? Et Wallah, je me rappelle un jour, on était au Qatar en stage. Tu te rappelles, ils se foutaient de ma gueule parce qu'on était derrière. Ils jouaient à Leicester. Et Leicester, ils allaient descendre. Ils restaient quoi? Ils restaient 7-8 matchs. Et tout le monde se foutait de sa gueule. Eh, hey, tu vas descendre. Eh, il n'y a pas de grand club, il n'y a rien du tout. Ils se maintiennent et la saison d'après, c'est là où vous êtes champion là, ouais. La saison d'après. Ouais. Et Wallah qui leur disait, mais Wallah que je vais jouer dans un club. Non mais toujours il a des clubs. Même moi, je me rappelle avec Bonnet. Il a plein d'anecdotes. Ouais. Boogie de ouf. Et Wav avec Bonnet, tu te rappelles? Bonnet, il disait quoi déjà Alex? Il te vannait sur ta veste, t'avais une veste 4 saisons. 4 saisons, je la mettais tous les jours. Tous les jours, il disait ouais. Johnny Placide aussi, il faisait le malin, Johnny Placide. Ouais. Après, quand le coach il venait, le week-end, il mettait la liste comme ça contre le mur et il n'y avait pas ton nom. Tu pétais un câble. Je prenais mon sac, je dégageais en CFA. Tu parlais après lui, il rigolait, il disait eh ouais, Kefta. Tu te rappelles? Après, hey. Tu lui as dit quoi? Tu lui as dit t'inquiète, dans 2-3 ans, tu vas me regarder. Non, je dis, dans 2 ans, je suis plus riche que toi. Voilà, il disait hey, voilà, je voulais, il y a Et je voulais pas le dire parce que je non, me suis dit peut-être. Non, mais la vérité, les fans, ils ont besoin de savoir, ça. bah alors, je la reformule. Alors, Alex dit... Bonnet, je foutais de ma gueule, ouais. Voilà, il a dit, t'as combien dans ton compte? Après, toi, t'as dit, ouais, mais on s'en fout et tout, je suis plus fort que toi. Après, il a dit, mais t'as même pas 1 million, parce qu'il avait 1 million à l'époque, lui. Il avait 1 million. Après, t'as dit, dans 2 ans, je suis plus riche que toi. Tu te rappelles après quand t'as signé, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, envoie-lui un maillot. C'est mon gars, des fois, je lui parle. Ouais, voilà, c'est un mot. Mais il aimait bien chambrer quand même. Même Johnny aussi, il aimait bien faire ça, lui. Johnny avec ses gros doigts de pied, là. Wow, Johnny, mais comment il était fort en futsal, tu te rappelles? Ouais, de fou pour un gardien, voilà, il était vraiment fort. Là, on va faire des futsal, là, pendant les vacances, là. Celui qui est chaud, il vient jouer. Mais qui peut nous battre, en fait? Riyad! Ça m'a comme mon refrain. Tu vas dormir? Non, je suis posé, là. Tu joues à la play, là? Il y a Bagdad. Il a dit Yacine. Qui? Bagdad. Pas suite un grand salam à Bagdad. Il a dit Yacine Brahimi. Bon rétablissement, Inch'Allah. Avec des cœurs. Mais vous êtes bon rétablissement, à côté, frérot, voilà. Bonjour. Hein? Vous êtes à côté, non? Ouais, je suis là. Il habite pas loin de chez toi, Bagdad. Ah, ouais, il habite à 3-4 minutes. Ah ouais. Wesh, Bastos, tu veux rentrer dans le live ou quoi? Nessim, vous n'êtes pas prêt, Nessim. Qui? Dis-leur, Riyad, passe une annonce que ceux qui veulent nous taper au five, c'est… Non, voilà, ils sont pas prêts. Pas prêts. Je te jure, ils sont pas prêts. L'équipe est trop dangereuse. Ouais, laisse tomber. Comme toi. Mec, il m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps. Regarde, ouais. Boudboul. Qui a? T'as dit quoi, Riyad? Riyad joue une vraie équipe. Il faut qu'on joue contre ouais. Eux. Il m'a dit. Billy, pourquoi il dit Billy? Je sais pas pourquoi il m'appelle Billy. C'est mon surnom. Walid, t'as toute ma reconnaissance. Qu'est-ce que tu dis? Solo. Tu dis à tes fans que tu venais manger 1 kilo de merguez chez moi et qu'il n'y en avait plus pour moi? Ouais. Donc c'est barbecue. Barbecue, j'ai ramené 2 kilos de merguez, je les posais sur la table, je me retournais, il n'y avait plus de merguez. Franchement, la vérité, j'en mangeais 3. Je les éclatais. J'en mangeais tout le reste. Non, mais ça va, mais vas-y, ça va. J'en mangeais 25 en fait. Donc bon, si vous voulez inviter Riyad à un barbecue, il faut ramener des merguez, sinon ça ne va pas. Mais est-ce que tu fais des barbecues là-bas? Non, on n'a pas encore fait la cassine, on va en faire là bientôt, Inch'Allah. Bah ouais, wesh. Voilà. Et c'est qui gagne 1663 noir coupé? C'est qui gagne le tennis ballon? C'est Solo. C'est qui gagne le tennis ballon? Au tennis ballon, j'ai tué Yacine. D'une force. Yacine, c'est vrai ou je mens? Il veut pas me répondre. Il veut pas me répondre. Dis à Yacine.
si vous mettez Yanis au goal et vous faites un duel jusqu'à 5, c'est qui gagne? Merci. Ouais. Une question. Et il faut que tu répondes sincèrement. Il y a deux questions. La première, qui a gagné au tennis ballon, toi et moi? Il a dit quoi? Il a dit, moi, on n'a pas fini. Okay. Non, mais là, actuellement, qui gagne? Il veut pas. Yassine, deuxième question. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Attends, je vais me rapprocher. Ouais, mais t'as capté. Non, mais pas. Dernière question. Est-ce que vous... demain, tu vois, tu mets Yanis au goal, il tire la balle, vous faites un duel. C'est qui gagne jusqu'à 5? Je sais pas, franchement, faut le faire. Hein. Tu vas le tuer, hein, de faire exprès. Non, on sait pas, c'est pas. J'aime trop. Dis-moi là. On sait pas, wesh. Non, pour l'instant, il n'y a que tennis ballon. Wadid, il est chaud dans les petits périmètres et tout. Mais là, il a 34 ans, il a perdu en vitesse. En ce moment, il fait travailler ma tonicité. Ouais. Mais faites ça, Yacine, wesh. Déjà, avec les entraînements qu'on fait, déjà, franchement, c'est dur. Hein. Non, voilà, donc, il commence à faire chaud. Vandam et Rocky. Non, mais dehors, l'après-midi, il commence à faire chaud. Il fait combien de degrés, là? Il fait combien, Yacine? 34? 37? 34, 37. Putain. Même à ça, je l'ai tué. Non, ça, on est ex aequo, la vérité. Trop fort, Yacine. Bah ouais, les frères. Quel talent, machallah. Machallah, c'est costaud. En plus, il a un cœur énorme. Machallah. Vas-y, je vais essayer d'ajouter une autre personne. Là. Je te rappelle après, Walid. Vas-y, mon gars. Bisous. À qui le tour? Fais monter Bagdad. Il est où Bagdad? J'arrive même pas à afficher les trucs, wesh. Faut que je m'enlève et je me remets.